Pour les automobilistes en provenance de Tétouan, l'unique accès vers la ville de Tanger passe par le pont Mrourah. Et chaque jour, c'est le même scénario, un fort embouteillage. La circulation est bloquée à cause de ce pont et des croisements qui s'en suivent. Et cela fait des années que les usagers de la route subissent cette situation. Je suis à Tanger depuis 7 ou 8 ans et depuis que je suis ici, j'ai toujours vu ce problème d'embouteillage. Il y a un seul pont pour les gens qui viennent du centre-ville au niveau de l'accès vers Tanger. Le pic de cette circulation est ressenti lors des heures de pointe, particulièrement lorsque les travailleurs reviennent de la zone industrielle. Nous n'arrivons pas à amener les ouvriers dans les temps convenus. Il faut trouver une solution. La restructuration du pont Mrourah est à l'étude. Une solution alternative est également étudiée. Il s'agit de projets de route, l'un sur la côtière et un autre reliant Mrourah à la voie côtière de Tanger en passant à côté d'une décharge publique. L'opération impose de réétudier le pont en général avec le projet de TGV, ce qui nécessite d'importants budgets. La voie liant la route de Rabat à la voie côtière, qui s'étalera sur 30 km, ne sera achevée que fin 2016. En attendant, cette voie orientale vers Tanger demeure un point noir et les automobilistes doivent prendre leur mal en patience.